j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour cette crinière aujourd'hui. Je me suis réveillée, c'était 7h du matin. Mais vous savez quoi? Franchement, je suis contente d'avoir fait ce pas de me réveiller tôt. Parce qu'avec les vlogs, j'arrêtais pas de dormir à 2h du matin et à me lever à 11h. Et je détestais parce que j'avais l'impression de passer à côté de toute ma journée. Tandis que là, this morning was different. Donc aujourd'hui je vous embarque dans cette journée. J'ai envie de vous faire une vidéo un peu spéciale où je vais vous partager toutes les musiques que je vous ai proposées durant les différents vlogs. Parce que vous revenez souvent dans les commentaires en me demandant est-ce que tu pourrais me partager telle ou telle musique. J'aimerais bien comprendre c'est quoi les artistes en fait, savoir quels sont les artistes que tu as utilisés, etc. Et je vous avoue que quand je fais l'exportation de mes vidéos, j'ai tellement bossé sur le montage que je prends pas le temps d'écrire en commentaire les musiques que j'ai utilisées. Alors je vais vous faire une vidéo exprès pour ça et vous aurez toutes les musiques que j'écoute. Ça va bercer votre été, ça va vous emmener vraiment à passer des bons moments avec Dieu, mais pas forcément sur des musiques de louange, etc. Il va y avoir des musiques qui bougent, il va y avoir des musiques un petit peu plus poser, donc il y en aura pour tous les goûts. Et puis je suis contente parce que je vais aussi vous faire découvrir des artistes que je connais personnellement et que j'aime bien, et leur musique mérite d'être écoutée. Pour toutes les personnes qui m'ont dit aussi, Léana, est-ce qu'un jour tu vas manger healthy dans tes vlogs? Aïe aïe aïe, ce jour est enfin arrivé. Regardez-moi ce que j'ai fait. J'ai fait de la ratatouille avec du quinoa. Ce matin j'ai passé mon temps avec le Seigneur. Regardez qui est là, Plumie. Tu dis bonjour aux abonnés. Vu que je me suis levée tôt, et ben écoutez, j'avais l'impression d'avoir une multitude de temps. Dites-moi dans les commentaires c'est lequel le vlog que vous avez préféré. Petite outfit of the day. Bon, je tiens à dire quand même qu'il y a du glow up, hein. Il y a du glow up sur le côté healthy. Tu ne changes pas. Venez les amis, faut qu'on parle. Vous savez, en ce moment, je suis grave en train de me poser des questions parce que depuis que je crée des vlogs sur le thème des backstage de la vie chrétienne et même que j'ai lancé mon podcast qui parle des backstage de la vie chrétienne, en fait, je me rends compte d'une chose, c'est qu'il y a très peu de chrétiens qui sont représentés dans le lifestyle en fait. Et moi, je vais vous dire la vérité, je consomme très peu, très peu de contenu chrétien francophone parce que je me reconnais pas dans ce qui est dit en fait, dans le sens où je vois que les gens ils ont une foi sincère, ils font des bibles studies, des choses comme ça, et c'est très bien. C'est des choses qui moi personnellement ne m'intéressent pas de créer parce que c'est pas le contenu que je consomme non plus, mais je conçois que ça aide des gens et je suis très contente que ça existe. Mais je me pose la question, mais en fait ils sont où les influenceurs chrétiens qui parlent du lifestyle et de la vraie vie et genre qui se prennent pas la tête un petit peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là, si ça fait réagir ou pas. Il y a des très bons influenceurs, ok. Moi j'ai des amis influenceurs chrétiens que je trouve géniaux. Je vais plus suivre, en fait je vais plus suivre les gens sur mon Instagram que sur mon compte YouTube. Les chrétiens que je vais suivre sur mon compte YouTube, ça va être par exemple Two Disciples que j'aime beaucoup parce qu'ils vont faire des vidéos travaillées, donc en fait ils vont faire un peu des études de cas en fait. Dites-moi, est-ce qu'il y a des gens qui sont comme moi et qui sont là en mode mais on veut plus de contenu lifestyle? Il y a tellement de contenu dans le monde entre guillemets, le monde du coup qui est séculier, on va trouver une multitude de contenus excellents. Mais dès que tu viens un peu dans le côté chrétien, y a plus personne quoi. Ou il y a des gens qui vont faire du contenu axé spiritualité à fond. Et tout est spirituel, on est d'accord, me faites pas dire ce que je dis pas. Mais dans le sens où du contenu léger, du contenu plus divertissant, on n'en a pas vraiment. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, on crée du contenu pour les chrétiens. Mais il y a peu de contenu créé chrétien qui vise aussi les personnes qui sont pas forcément converties et qui en fait juste aimeraient voir quelque chose de différent. Il devrait y avoir des influenceurs chrétiens lifestyle. Il devrait y avoir des vlogs, des daily vlogs sur YouTube qui parlent de Dieu. En fait pourquoi c'est si rare? Donc voilà, ceci est une invitation à vous lancer. Bon, c'est bien joli hein.
Mais le sujet de la vidéo, c'était pas ça. J'ai pris mon ordi. Il y a toutes les musiques que j'utilise pour le vlog à l'intérieur dans mes musiques. Il y a premièrement le son que j'utilise, vraiment la musique que j'utilise pour toutes les introductions. C'est une musique de l'école Pierre. Le ciel est couleur pamplemousse. Hey, le ciel est couleur pamplemousse. Hey, le ciel est couleur. Et cette musique-là, je suis tombée super fan parce que Jesus Festival, elle passait tout le temps avant les artistes et on avait fait une petite choré dessus, donc c'était trop drôle. Alors je me suis dit, allez, c'est un son qui représente bien l'été, je trouve. Il y a un artiste que j'aime énormément. Bon, écoutez, je pense que la France entière le connaît maintenant, c'est Konosko. Donc pour tout ce qui va être un petit peu rap, etc. Donc j'utilise pas mal de ces musiques, enfin pas mal, j'en ai utilisé quelques-unes. J'ai utilisé Reconnaissance de Konosko. J'aimais plus trop le jeu, donc j'ai changé les règles. J'ai aussi inversé les rôles. On tient plus les murs, maintenant on tient les rênes. En vrai, c'est plus facile quand il y a Dieu dans les gaules, hein. Voilà, Konosko. Cet artiste, je l'aime d'amour, vraiment. J'écoute ses musiques tout le temps. Moi, je chanterai tout le temps. Laissez-moi compter tous ces bienfaits. Toi, tu sais pas méchant. Il y a une musique que j'écoute en boucle depuis aujourd'hui et c'est une musique de Zach. En fait, Zach, il est dans mon église et c'est un artiste chrétien vraiment qui fait du lourd. C'est plus des musiques un petit peu chill, un petit peu douces et il en a fait une là dernièrement que j'aime énormément et je l'ai mis dans le vlog d'hier et c'est Envoie-moi le titre, donc je vais vous faire écouter ça. C'est vraiment cette ambiance là, c'est genre un concert. Mais oui, gagnerai-je à vivre par moi-même. Je ne peux pas compter les bienfaits que tu as pour moi. Tu m'as donné des rêves, c'est une voix sincère que je veux partager ton grand amour ici-bas. Mais comment ferais-je si tu n'es pas là? Je vous présente, j'ai pleuré sur cette chanson, ok? Je n'oserais pas imaginer marcher sur l'eau. Après, j'aime beaucoup aussi la chanson de Hillsong, du coup France, avec Moira. Moira, j'espère que je prononce bien son nom. Le monde peut garder chacun de ses trésors. J'ai tout ce qu'il me faut et même bien plus encore. La plus grande, là. Que tu donnes dans ta la concurrence. À fond dans la voiture. Rien n'est comparable, Seigneur, à ta présence. Là. Dans mon cœur, il n'y a que toi, 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 toi. Là, je conduis, là. Celle que vous m'avez vraiment beaucoup demandé dans les commentaires, c'est celle de Laurine que j'ai découvert pareil en cherchant des musiques pour les vlogs. C'est celle-là. Qu'est-ce que tu renifles? Mon petit plumier. T'es pas trop mignonne, toi? Si tu m'envoies, je veux que tu marches devant moi. Si la pluie tombe, je compte sur ton ombrelle. Si des changements doivent être opérés, perfus-le. Je veux être appelé, mais par-dessus tout être élu. Et puis, on prie pour que les voisins n'entendent pas, n'entendent pas la musique. Il y a une autre chanson que j'aime beaucoup. C'est Lumière dans le noir. J'aime énormément cette chanson de l'école Pierre, Lumière dans le noir. Elle a bercé tout mon été dernier. Vraiment, je l'ai saigné cette chanson. Let's go. Où ai-je la tête? Ma vie, je l'aime pas, mais j'ai peur de la perdre. J'ai dans le sang des étoiles et la terre, mais je trouve pas de sens. Je me perds dans le vent, donc je suis trop dangereux. J'ai l'impression que j'ai perdu mes yeux. Qu'on m'interdit de pouvoir voir les cieux. Je crois que je pourrai plus jamais être amoureux. Mais que dois-je faire, moi? J'ai l'impression qu'à chaque fois je suis bloqué, mais je dois faire mieux. Pour cette femme qui me rendra calme, qui m'apaise. Et c'est comme ça que j'ai tellement des artistes. For the falling down right before me, I pray for this moment, and now I receive it. I put my confidence in who goes before me. He said it is finished. I'm fighting from victory. Pour la voiture, c'est dans ceci. Il y a quand même du talent chez les artistes chrétiens, moi je tiens à dire, hein. Vraiment. Je compte les louanges.
j'espère de tout mon cœur que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, je vous ai pas mis tous les titres parce que vraiment, il y en a beaucoup, franchement. Il y a Carrie Job, Révélation, il y a Invitation de Hillsong, il y a énormément d'autres musiques que je vous ai pas mis en fait, mais je vous ai quand même mis pas mal de sons que j'ai utilisés. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé ma sélection de musique pour ces vlogs d'août. Sachant que j'essaye quand même d'innover, je vous avoue que trouver des musiques ça me prend énormément de temps. Donc j'essaye un peu de tourner dans les différents sons que j'ai téléchargés. Là il y en a plus de 40, il y a une quarantaine de musiques que j'ai téléchargées pour les vlogs. Et donc j'essaye un peu de tourner au fur et à mesure. Et puis des fois, comme par exemple la musique de Zach, Envoie-moi, celle-là je l'ai découverte hier soir. Et donc aujourd'hui je l'ai mis dans le vlog, voilà. Il y a des sons que j'apprécie, il y a des musiques que je découvre, des musiques que je connaissais déjà. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez toutes les musiques que je vous ai présentées. Est-ce que vous en écoutez d'autres? Enfin, c'est toujours sympa en tout cas de voir ce qu'il y a dans la playlist des uns et des autres. Alors dites-moi, c'est quoi le top 3 des musiques que vous écoutez le plus en ce moment dans les commentaires. Et comme ça, ça me permettra de vous connaître un peu plus aussi. Je vous fais de gros bisous. Vraiment, cette vidéo, elle va durer, je crois, une éternité. Mais on aura passé un chouette moment ensemble. En tout cas, moi, j'aurais passé un chouette moment à vous tourner cette vidéo. Je vais aller enlever ces cernes. C'est 23h30 et je suis en train de tourner un TikTok. Et le ciel est couleur pamplemousse.